Cathédrale Palais avec président Fédération nationale maire et haïtien yo qui c'est Jude Edouard Pierre concernant nouvelle ça à côté yo rejoindre en vie magistrat commune Lister dans département la Tibonite qui était porté disparaître depuis quelques jours. Donc nous pral parler avec magistrat Jude Edouard Pierre qui confirmait pour retrouver magistrat. Oui, effectivement, nous pourrons parler avec magistrat Jude Edouard Pierre comme président FENAM, Fédération Nationale Magistrat, sous dernière information ça qui vient pour eux avec magistrat estimable Sénec, magistrat Lester qui lui-même a quitté la CAI depuis 23 mai et c'est il retrouvé donc il retourné la CAI dans quelles circonstances. C'est ça n'a pas demandé à magistrat Jude Edouard Pierre. On a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbe FM. Bonjour Gassier, bonjour Pierre-Ronald, bonjour Caraïbe, bonjour tout magistrat d'un pays qui a souffri. On a confirmé pour vous, pour trois radios Caraïbes, que effectivement, nous parlé avec magistrat Sénèque estimable vers minuit 30 matin, nous retournons à la Caraïbe. Et ce maître Samuel Madiste, que nous avons remercié et salué, qui permet de nous parler ensemble avec lui. Et il faut nous dire, guerrier de CPJ, Bill, qui s'agit de Sabine, DG la police là, commissariat Saint-Marc, commissariat Lester, toute la police, population, qui a bas information, ou bien, il est arrivé au jeune magistrat, Bamon Kabrit, et hier soir, et Lila Kaili, jeudi, a, ils devront parler avant longtemps, mais nous devons confirmer justement, enfin, que nous retrouvons les collègues là, qui sont saufs et la Kaeli actuellement. Mmh. Dans quel état d'esprit nous rejoignent magistrats et qui ça le dit nous en attendant les communiqués avec la presse, comment il était allé avec lui pour que ça c'est en bas mon cabout là nous rejoigner. Moment émotion ça, c'était justement exprimer joie donc nous retrouver, mais ça nous met comme première déclaration sur nos actes kidnappés qu'il a subi. Et c'est ça qui est comme information de CPJ, toute la police là, avec magistrat qui pour nous parler. Nous voulons encore une fois remercier pour le travail qui fait BIM en particulier, et monde Gonaïve, monde Latibonite, monde Lester qui a souffert hier soir à Pierre-Ronel. C'est comme si c'était carnaval qui était gagné, tellement mon petit côté, c'est belle ambiance, tambour bonne dans la rue, après tous mes joueurs, contentement, suite à retour magistrat. C'est qu'on est éduqué, fait nous tonne la police fait travail, pour nous éviter toutes les bagailles qu'on a regrettées par la suite, et parce que pas bien aucun signal de demande de rançon, tout le monde était inquiet, et la police, encore une fois, la police paye fait travail. Et ça fait une obligation, l'État, ben, au moyen, pour travailler plus parce que ça commence à gagner expérience. Ça qui passe dans le pays en dernière année, ça, ben, un peu d'expérience à la police, à des CPJ. Donc, faut nous travailler dans la sérénité comme dirigeant pour nous éviter de faire des déclarations intempestives qui peuvent mettre en situation compliquée, qui peuvent décourager. Mais, encore une fois, M. Samuel Madistin, tout le travail, merci, en pile, nous, tous magistrats, sommes contents. Nous retrouver collègues estimables, c'est Nec Mon Lester qui t'a résisté, qui t'a mobilisé, qui m'a la joie hier soir en pile contentement, en tout cas magistrat estimable, et nous souhaitons au bon retour, je ne travaille pour peuple, nous t'es inquiète de nos problèmes, mais on retourne, on va parler avec Monio pour dire ça qui t'est passé effectivement. Mais la première information qui est honnête, c'est 12h30, on a retenu la zone DRH. Il était prêt magistrat et depuis lors, il n'y a pas de nouvelles. Donc, tout le magistrat adjoint qui a des problèmes, et moi, j'espère que je vais me calmer, je vais rentrer à le travail dans la commune, la population en bas, toute sécurité pour continuer le travail et commencer dans les terres.
Oui, bon, j'en dis, c'est magistrat lui-même qui a gagné pour bailler des détails sur, vraiment, et ça qui passait, hein. Maintenant, il y a un texte, nous, qui a circulé, il parlait de, c'est une équipe policière BIM, qui, dans une monde cabrite, qui récupérait magistrat, mais récupérer, non, mais qui est-ce? Ou bien, c'est son monde, je n'ai pas marché comme ça, ou du moins, ce magistrat dit, c'est déposer, ou vient déposer, dans son nom. Il va bailler des détails sur ça? Non, si ça me dit guerrier, on permet moi que ne pas élaborer davantage sur lui, parce que hier soir, on dit seulement saluer magistrat, entremise M. Samuel Madistin, si vers 11h que M. Sonnez, Zamim, qu'on est, je n'ai pas souffri, je n'ai pas coordonné, information en tombée, il est moins libre, moins libre, et puis moi parler à magistrat, et confirmer qu'il est en vie, lui retourner la caille, lui, m'a laissé le soin, justement, en cours de journée, par rapport à Jean Lapresse qui est mobilisé pour des magistrats et bien retourner la CAELI par rapport à Jean, nous voulons dire la police, le ministère intérieur, sécurité publique qui est mobilisé à tout l'État, gouvernement et la police qui est mobilisé, la population, ministère, magistrat, pour communiquer information à tout le monde pour dire de quoi il en était. Eh bien, comment ça s'est passé et comment le faire retourner comme ça la CAELI, parce que tout le monde t'a supporté, t'a résisté, t'a prié pour lui, formule qui t'a prié pour lui, nous-mêmes maïsters t'a souffert de ça. Donc nous demandons lui pour lui communiquer à la population ça qui s'est passé et remercier tout le monde qui t'a aidé à retrouver magistrat sain et sauf, et ça redonne de la sérénité au niveau de la communauté des maires de la République. Encore une fois, merci à la police de CPJ BIM, tout comme ça, il y a Saint-Marc-Lester, tout policier dans le pays, la population qui a besoin d'informations, qui a montré une capacité de police pays. Il faut continuer à renforcer au moyen, il y a respect pour eux, uniforme ça, pour nous respecter, pour nous connaître que c'est eux-mêmes qui gardent aujourd'hui. Encore une fois, merci à la police, merci à tout le monde, magistrat Lakaili. Donc, au cours de journée ou bien avant longtemps, ou bien tout à l'heure là, demandez-lui pour le faire déclaration, ben la presse et parole, parce que la presse soit scandée, ça qui s'est passé pour garder établir les faits. Voilà. D'accord. Merci un peu, magistrat Jude Edouard Pierre, président au FENAM, qui confirmait non, magistrat Lester Lan, lui rentré la CAELI et la gain pour le parler avec la presse, peut-être jeudi ou demain pour expliquer ça qui passait. Merci un peu, magistrat Jude Edouard Pierre. Allô? Bon courage. Merci, Caraïbe, et bon courage à magistrat. Allô? Oui, magistrat, vous permettez-moi, avant d'aller, on l'autre question qui n'est pas dans le cadre de l'homme, mais que nous avons posé comme magistrat. Et qui le, dans le carrefour, on a arrêté un arrêté municipal de l'Europe pour nous avons dit moun ramassé ou moun jeté fatra dans la rue? Ben, Pierre Renel, donc, l'année dernière, l'année de carrefour, c'est pionnière, pour arrêter communal que nous te prend, qui interdit moun jeté fatra dans la rue. Et n'a pas annoncé tout pour la première fois dans l'histoire de la République. La mairie de Carrefour était par devant le tribunal du paix de Carrefour, on était un citoyen, on était un jeune qui avait été fait dans la rue, on était arrêté, lui, jugé, peut-être intervenu, et on était fait un procès avec elle, on était condamné, la justice était condamnée, lui, on était payé, il y a 1500 gouttes comme amende, et qu'il était fait 5 jours de prison. Décision ça, justice de jugement ça, est disponible dans la direction affaires juridiques, mais il y a un tribunal de paix Carrefour. C'est parce que, justement, on n'a pas de police municipale qui fait qu'il y a des cas d'arrestation en série que nous avons enregistré. C'est ça que fait au niveau de la police Carrefour. Nous travaillons effectivement pour gagner un backup qui est disponible parce que nous avons 9 camions Fatra qui va le déployer à partir de lundi prochain dans la ville-là. Mais au monde qui a juste fatra, la petite problème, mais texte a déjà là. Mais il tabac tout, qui font arrêter sorti, qui te condamné à 25 minutes d'amende, et magistrat et chevrie, fait année ça, nous féliciter, nous content, parce que pour le poste, pas qu'à arrêter comme ça, mais faut magistrat tout, d'accord avec Pierre Renel, les bien police communale à disposition, parce que qui est si pas l'arrêter monde, pour magistrat, lorsque la juste fatra, par exemple, qu'a fait magistrat pas plat, et magistrat pas bavena, il va en bas la ville, là.
de les forces de l'ordre qui aident pas des problèmes de texte, des problèmes de moyens, voilà, de pouvoir assurer que l'OAE respecte la RTO, respecte le carrefour qui fait déjà, pendant d'application, pendant avant de prendre le plan de citoyen qui nous arrêté dans le sol africain, et que lundi, nous allons juger avec lui, justement, et pour condamner lui s'il est coupable, parce qu'il n'agit pas dans la rue en fonction de la RTO que nous prenons. Donc, nous allons faire avec fanfare et trompette. Et même nous justement texte là, le disponible, et dans les médias, et à partir de texte là, il y a une solution de jugement qui te prend dans le tribunal de paix de Carrefour. C'est qu'on a l'histoire à 5 jours d'emprisonnement, et puis 1500 euros d'amende que le TPIDGI a reçu ça, toutes les solutions de jugement ça disponible dans la direction affaires juridiques mairie Carrefour. Et en parlant de police municipale, là, on a besoin pour courir action, nous, en tant que municipalité, on connaît le problème, ça a été résolu, t'es genoux entente avec la direction générale police, là, t'es supposé qu'on premier promotion qui sortit et déployé comme pilote dans Port de Paix et ou à Caillé, et, dans qui fasse projet ça, Ben, effectivement, nous songez que FENAM, avec ensemble, magistrat de l'Ordre, t'es réuni avec le directeur général de la police, parce que t'es gagné une petite mise en tente par rapport à les paroles magistrales et paroles de la police. DGG Léon, qui est réuni dans le bureau là avec nous, et il y a une promotion de 750 jeunes policiers, policières, alors, commissaire l'école nationale de police là, qui a sorti fin août ou bien fin septembre, il y a une quantité, il y a déployé, qui a au service des grandes communes de la République pour démarrer, et chaque commune d'une capacité recevoir de manière progressive. Parce que nous avons une inquiétude par rapport au fait que si chaque mairie qui mettait en place police palais, les cas convertis en milice qui n'avait nos services de maire là, donc à des élections, c'est ça, déjà la police a été exprimée comme préoccupation. Moi-même, personnellement, comme magistrat, nous avons partagé la veille. Mais maintenant, nous te proposons, finalement, nous proposons qu'au même titre que y a Edupol, y a une police communautaire, y a un politour, pour que ça, en dans la police, ça va gagner, eh bien, y a un policom, et que y a un secteur de police qui a dirigé le commune, même le chef de cette police communale, c'est le conseil municipal, c'est le maire, ça fait la préparer au niveau de mairie de Carrefour, pour nous aménager espace, pour nous recevoir policiers qui ont détaché Carrefour comme police communale. Il y a bien un uniforme et la police, mais avec son mairie, avec emblème mairie à soli, on a dégagé pour nous des motocyclettes, pour nous des bicyclettes, hein, pour nous des bécanes pour nous bailler, pour nous des bacs, pour nous des pick-up pour nous bailler. Eh bien, mairie Port-au-Prince, mairie Pétionville, mairie Tabar, mairie Croix-des-Bouquets, mairie Cité-Soleil, toute mairie à Caillet, mes grandes villes de chef yo, Onaïve, Cap, Jérémy, Caille, et bien Port de Paix, Jacmel, et bien nous tous abgagnés en fonction des capacités mérisaillot, en fonction des décisions DG prend pour faire répartition. Par contre, nous te proposons qu'au cours de formation, il y a des modules qui adaptés à la gestion municipale, aux compétences reconnues aux communes de la République. D'accord. Action qui par l'entrepreneur fait le cadre de la loi. D'accord. Maïssa Joudédois Pierre, je ne sais pas qu'on est fonti souffrir sur l'île, le temps pour nous parler avec DG ministre intérieur. Là, Fednel, mon chéri, qui lui-même semble gagner information contraire de information partagée avec nous sous question magistrale Esther Alain. DG Fednel, mon chéri, bonjour. Bonjour, Gagné, son plaisir pour moi avec vous matin là, actuellement dans la rue qui est là. Mm-hmm. Depuis décidant parce que magistrat c'est en situation vraiment difficile. Je crase bien lien, je boule, je crase ensemble de l'installation, l'État qui est dans la commune. Donc, moi, j'étais obligé de déplacer en personne pour me sauver la vie magistrat pour ne pas lyncher. On va parler de qui magistrat? Magistrat Cesseur. Ah, ok. Toujours dans la commune Lester. Ou commune Lester. Uh-huh. Donc, moi, j'étais obligé d'accompagner avec mon autre collègue, de sauver magistrat. Côté que j'ai crasé bien, j'ai été campé pour même bouler lui, famille Lumbo. Et parce que le magistrat j'ai des doigts, nous t'ai pas allé l'étape déplacée. Et me sentir qu'il t'a fait un pile effort et qu'il me félicite lui pour engouement, pour motivation qu'il t'a fait dans ça. Mais m'assurer qu'il y a des informations qu'il n'a pas trop disposées. Et ça fait que moi, qu'il n'a pas prononcé sur l'histoire de kidnapping, non? Comme nous dit que c'est le magistrat qui informe de un ensemble d'informations. Donc moi-même, je dis que
depuis le même jour, nous t'ouvrir propre enquête par nous tous sur le dossier et nous prenons des dispositions, nous gagnons information. Magistrat, assesseur, bien écrasé, famille en danger, depuis le l'heure, tu vas jamais manger, et dans le même lieu depuis l'heure. Donc, et dans ce sens, c'est actuellement dans la rumeur. Donc, moi, je dis que cette histoire que où le magistrat a couru informer le monde qui est en kidnapping, il dit pourquoi faire ça? Parce qu'il y a l'autre information qui a vu dans ce sens. Et M. Bidegois, le président Fédam, lui, il n'a pas tout élément d'information, j'ai envie de dire. Donc, l'histoire de kidnapping, il pourra confirmer parce qu'il y a des informations contraires de ça. En attendant, nous étions là. Allô? Non, oui, voilà, non. D'accord, désolé. Oui, non, non, mais si vous dites une information contraire, donc. C'est pas ton kidnapping. C'est pas ton kidnapping. Qui dit ça, le pays? Ton kidnapping programmé. Non, mais ça me dit que j'ai une information. Totalement, ici. Donc, vous parlez de magistrat qui est là, car il est pour mon compte dans le chevalier. Vous parlez de situation, le magistrat, il est lui-même depuis le là. Il va parler que qui ça va faire la commune dans sous bien l'État, on est crasé, mairie crasé, machine magistrat crasé. Mais aussi, il faut que nous nous tenions là, ça va tout. Oui, non, mais c'est pas. Allô, DG, allô, Pérounel. Allô, allô, guerrier. Oui. Alors, Maïssa. On t'a contre votre interaction à DG. Oui, DG, Fonti était là, Maïssa, j'ai les doigts. Mme Salé, DG, Monte Dili, qui est le ministre intérieur, joue un rôle assez déterminant dans la coordination pour les magistrats, et des jeux particuliers étaient déplacés à et mettre les magistrats adjoints en sécurité. C'est un acte de bravo, de responsabilité et inouï que nous saluons. Par contre, nous te dit tout dans l'information de profil matin que les magistrats retrouvent, nous gardons pour nous faire la moindre déclaration tout genre ça a été passé. Mais premier élément d'information, t'as semblé recoupement, t'as 11 actes d'appui que nous demandons au magistrat, t'as confirmé, parce que nous pas là, nous pas vu, sauf que, formation, échange, mon gagné, c'est que le magistrat, il a retrouvé en bas, mon cabine, ça comme, bah, qu'on est, si c'est longé, si c'est vigné, longé le bail, si c'est une opération, la police armée, c'est pas ça, non, dit, parce que nous t'ai dit que nous pas confirmé ça, c'est magistrat qui nous confirme ça. Par contre, déjà, du bagage qui est important, faut nous continuer à relayer, c'est que deux magistrats adjoints étaient en insécurité, parce que population était pensé qu'ils étaient accomplis sans activité là, et nous-mêmes au départ, nous étions dit que c'est pas bien, et nous étions parlé à l'Éducation générale de la police là, qui c'est DG Gédéon, nous étions voyé Udmo personnellement à offrir magistrat service de sécurité, et c'est après DG que je me prends lui, faciliter que le mot la lieu sûr, le magistrat Kamaratou, qui était en difficulté, ça fait des démonios, puis là, nous avons posé un acte après ça, on a le regret, effectivement, bien l'État vandalisé, mais ça qui est important aujourd'hui, c'est que le magistrat lui retrouvé, lui en lieu sûr, lui en vie, donc on y a à la justice de donner suite à dossier pour le rétablir le fait, j'aime bien dire là. Nous-mêmes, nous seulement, je vais confirmer que magistrat a en vie et que remercier partenaires acteurs qui jouent au lieu, magistrat de la Cali, en particulier les CPJ, BIM, commissariat SEMA, commissariat Lester, DG La Polista et ministère intérieur, DG et mon chéri qui était effectivement sur les fronts, qui t'a bataille, qui t'a boumé, qui fait coordination à tout le monde et que je dis à magistrat là. Donc, l'autre information, yo, guerrier, Pierre Ronel, ADG, n'a quitté la police, on est confirmé, yo, parce qu'il est obligé de dire ça que c'est passé. Pas trop, on a souffri de ça, sous autorité. Oui, il y a des dégâts. Depuis 23 mai, jeudi à non 29, non jeudi, donc, faut que le bas information, je dis effectivement, ça t'est gagné. D'accord? Oui, très bien. Donc. Effectivement, moi-même, féliciter le président Fédamna pour détermination et volonté de manifester dans le moment. Que nous t'ai parlé et l'idée de que le fait tout le temps qu'on est au magistrat retourné. Moi, félicite, moi, bravo au magistrat retourné. Mais tout n'a dit que le magistrat s'est fait dans une situation difficile. Et s'il n'est pas bon Dieu, il a perdu la vie. Et dans ce sens-là, nous dit que force lumière s'est tenue. Le président Fédam n'a pas gagné, pas coupable de rien. Non, ça l'a dit. Tout ça, Dieu est correct. Parce que au début, il n'est pas allé chercher M. Côté de Dieu de kidnapper là. Seulement, il y a l'information et lui. M'appuyer ça le Dieu, façon d'intervenir,
Comme moi, au début de l'enquête là, c'est que pour information, quand je cherche effectivement devant M. Vivant, je te connais que le vivant, nous te connais depuis samedi comme M. Vivant. Okay. Donc, dans ce temps moi-même, je dis que faut que le magistrat soit victime. Non, je crache bien, il faut la justice faire lumière sur la situation, parce qu'on n'est pas capable de détruire même psychologiquement, famille n'est pas par le bas, population à lever dans le modal, c'est courir. Donc, dans ce temps, je dis que le magistrat soit victime. Merci à la potesse. Alors, DG. Allô? Allô? Oui, bon, DG, allez. Parce que, bon, d'après, non, en tout cas, nous pouvons chercher et faire contact avec. C'est ça, DG, je te dis là. Moi, je ne pas le faire, nous prenons ça. Et magistrat. C'est comme une humeur, mais c'est un magistrat pour confirmer. C'est là, nous te dit. Oui, donc nous pensons qu'on va aller de nous faire contact là pour que nous capables d'attendre une version magistrat Lester sur ça qui est vraiment. D'accord. Merci beaucoup, magistrat. Merci un peu. Merci beaucoup. Hein. Merci tout le monde qui était de nous guider là. Mais information de confirmer à la police et au maire de rétablir les faits de tout le monde édifié de cette passion. On ne va pas faire aucune déclaration de ça qui est passé nous-mêmes. D'accord. Mais merci un peu. Et magistrat Jules-Édouard Pierre qui était en direct avec nous sous dernière information ça qui gagnait pour eux avec magistrat Lester Alain, estimable Sénèque qui retournait la Kaili. Mais pourquoi on gagnait qu'on ait gagné trop d'informations, trop de détails sur vraiment ça qui était Rivelli. Nous, après le parler avec magistrat, avec DG ministère intérieur là sous funérailles. L'autre magistrat, Tony Vernio, qui a bien pour chanter, pas voulu aventurer dans la date là, mais c'est autorité qui dit qu'il prend en charge funérailles là pour qui a bien pour chanter dans le jour Cap Vinila. Nous on pas après faire contact avec magistrat estimable pour nous capables de gagner vraiment connaître ça qui était passé. Mais entre-temps, oui, déjà. Oui, non, parce que moi, t'as parlé, Mado, qui date funéraille, magistrat Tony Vernio, que... Effectivement, le même jour que nous étions dans l'Ester pour nous sauver la vie, magistrat, qui était en situation difficile, après 100 plans kidnapping, nous dit que c'est là. Et nous étions dans la coupe de paix, nous rencontrons famille Tony Vernio, c'est un journaliste de Renault, qui c'est un leader au niveau secteur presse dans le département nord-ouest. Effectivement, les victimes de l'accident, ils ont été parents, nous et Timounio, nous parlé, nous discuter, nous dialoguer, nous sommes sur le lieu, côté crime et accident qui est fait là, et nous rendons compte que M. Pédi la Vili. Et à partir de ce moment, les parents décident de faire funérailles le 9 juin prochain. Et dans ce sens-là, ministère, c'est lui-même personnellement qui m'a dit, pour me déranger sur le lieu, il était planifié mission, hein, qu'il était au niveau de la Tibonite, mais il sortait un gros rôle, qu'il était au niveau nord-ouest, c'est lui-même qui demandait pour d'aller. Nous planifions un thème avec famille, hein, le 9 juin, funérailles la prochaine. Oui, samedi 9 juin et l'État prend en charge que funérailles, c'est ça. Pas oublier que M. Tony Vernio, c'est un magistrat, c'est pas un indigent, c'est une autorité dans la ville. L'État va prendre en charge comme s'il va le faire entièrement. L'État va accompagner la famille. Donc comme ton autorité qui mourit, c'est un élu client dans la communauté qui mourit. Donc l'État a pour responsabilité d'accompagner famille, selon les règles de l'art, selon les principes, les normes, les bienséances, et nous-mêmes nous pourrons participer depuis la veille dans le Sénégal vendredi, jusqu'à ce que nous sommes dans le dernier demeuré. Nous avons planifié ça avec famille. Ma contact régulier avec madame Tony Vernio, nous parler par WhatsApp, nous discuter, nous planifier, nous gagnons à Timon Yoto, nous gagnons Timon qui est en bas âge. Donc il y a ça, le ministère et le ministre intérieur. Monsieur Rinaldo Brunet, la prend toute responsabilité dans sa salle. Ok, bon, moi, ça rapidement, DG. Et sous l'autre magistrat principal, là, qui lui-même était en difficulté, tout, est-ce qu'on parle avec lui et nous apprenons une plainte, même madame Tony Vernio, à l'association journaliste dans le département à côté. D'abord, on m'a dit que Josué, c'est un ami. Josué, son monde que nous voyageons avec. Moi-même, Josué, Tony Vernio. Magistrat Yannick, nous formons une mission Maryland dans la communauté, nous avons signé un protocole avec pour renforcer la capacité Maryland pour de paix. Donc nous avons pratique de travail avec lui. Tony Vernio, son ami que je connais longtemps. Et nous parlons avec Josué, nous parlons avec Yannick. Et c'est bon côté privé, même via Yannick qui est en danger tout.
et eux étaient capables de poignarder les lignes dans le département. Donc nous faisons toute diligence. La police est là. Un gros rôle dans ça. Et nous parlons à lui. Hier, nous avons parlé, hier, nous avons discuté. Nous pensons que nous avons discuté ensemble pour nous convaincre. Nous sommes capables de ramener calme et la paix en deux cités, ça. Dans la communauté, ça. Même général Tibonet, délégué départemental, là, c'est un gros rôle. Délégué départemental dans le nord, ouest et dans la Tibonet. Ils ont tous joué un grand rôle à côté de la police pour sauver la vie du magistrat au cœur d'Angers. L'autre magistrat, on t'a parlé non, c'est une retournée sur question. Lester, là, l'IA, ça m'a voir là, non? Ma pire, t'as confirmé ça pour vous tout à l'heure. D'accord, merci un pile. Merci un pile, Fidel, mon chéri, directeur général, ministère intérieur. Donc, nous. D'accord, merci un pile. Voilà, donc nous appelons clos de c'est ça. En attendant, nous établissons contact avec magistrat estimable, magistrat Lester.